Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Ça fait du bien que nous soyons ici ce midi. L'adoration de notre Seigneur. Et juste avant de procéder à la prédication de la parole de Dieu, j'aime bien dire merci au Seigneur pour les mamans qui sont ici présentes dans cette assemblée. C'est un grand ministère de pouvoir enfanter. C'est là le but de notre Dieu, le Créateur, qui avait dit à nos parents, croissez, multipliez et remplissez la terre. Remplissez la terre. Chaque âme a une importance inestimable, capitale pour le Seigneur. Voilà pourquoi le but de l'Évangile, c'est d'annoncer le salut aux hommes perdus. Nous étions perdus depuis en Éden. Et le Seigneur nous a fait grâce en avant Jésus-Christ, pour nous arracher des griffes de Satan. Faire de nous aujourd'hui des enfants pour l'éternité. Maman, c'est important. Dans cette création, c'est Dieu qui l'avait dit, croissez et multipliez. Si nous parlons des hommes de Dieu dans la Bible, il fallait avoir des mamans. Quand nous lisons dans le livre d'Exode, le Pentateuch, il est question de Moïse. L'une des plus belles, des plus grandes têtes de l'histoire. Après Jésus-Christ. Pour avoir Moïse, il fallait avoir Jochebed. Une maman. Donc c'est là le ministère que le Seigneur vous a confié. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Ce midi, nous avons devant nous une parole du Seigneur . C'est très profond ce cantique que nous trouvons dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 14. Le pasteur Schiller venait de vous lire. Les versets 3 à 15. Ce chapitre est un poème, ce qu'on appelle poème satirique, dérision, raillerie. Dans le mot haïtien, on dit « il n'y a pas son atteintin ». Satire. Et sur ce que nous avons dans Isaïe 14, d'où les yeux s'adressent à Satan lui-même. Ce cantique est une sorte de métaphore. Voilà pourquoi, pour comprendre
ce que le Seigneur avait voulu dire à Satan lui-même. Prenez le soin pour lire ce chapitre chez vous. Le Seigneur est tellement grand. Il a le pouvoir et la capacité de lire la pensée de Satan. Et pour le lui dire, ce que vous pensez. Dans le psaume 139, il y a la question de David qui parle de l'omniscience divine. Ça, c'est au niveau de l'homme. Ce que le Seigneur sait de moi, de vous. Et David devait dire, avant que la parole soit sur ma langue, tu la connais entièrement. Avant que la parole soit. Donc, il connaît nos pensées, nos idées. Avant que l'action soit commise. Parfois, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, de ce qui doit arriver. Le Seigneur vous le dit. Au niveau de l'homme et au niveau de Satan, Dieu fait la même chose. Donc c'est pour nous préserver du mal, de la condamnation et du jugement éternel que le Seigneur a permis au prophète Ésaïe d'avoir cette révélation. Donc Ésaïe 14 nous parle de la chute de Satan. Et pourquoi? Il fut chassé du ciel. Et comme vous le constatez, il est venu sur terre, il reprend ses démarches dans le jardin d'Éden. Il est orgueilleux. Il est mesquin. Il est menteur. Il m'écoute. Il sait qu'il est un menteur. Il devait dire à Ève, Dieu sait. Alors ce monde qui a fait dénigrement sur le monde, il commençait par un bain menti. L'homme se descend dans le monde, premier soir, il commence à mentir sur le compte. Lui. Où est-ce que ça m'a dit? Monde qui a fait mauvaise action dans l'église, qui a fait mauvaise action dans le monde, ça a fait, il a employé mensonge. Monde qui voulait diviser l'église, ça a fait, il commence à parler parce qu'il y a mal. Vous comprenez ce que je dis? Et Satan dit à Ève, Dieu sait que vous, si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. C'est ce poison-là. C'est la donne nous prend. Qui inspire l'orgueil et la vanité, la concupiscence, la suffisance de soi. C'est la donne l'humanité prend. Et Jean 5, 15, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'il y a dans le monde, la combattise des yeux, combattise de la chair, l'orgueil de la vie, cela ne vient point du Père, mais du monde.
Le monde entier est sous la puissance du malin, dit Jésus. Le monde entier. Donc l'Église doit se laisser aviser. Voilà pourquoi cette séparation, le Seigneur prend le peuple, il met la part. C'est dans ce contexte, bon Dieu prend Israël, il met la part. Ils vont le peuple distinguer pour lui. Pour ne pas ressembler à personne. Ouais, Moïse devait prier, il dit Seigneur, si je veux une grâce dans mon, permettre que le peuple parle là, nous-mêmes, pour ne pas ressembler à personne. Pour nous peuple distinguer, nous peuvent séparer. Est-ce qu'on aurait pensé ça dans la tête, pas comme chrétien, pour distinguer du monde? Au contraire, nous imiter le monde, nous imiter le monde, nous imiter le monde, pour nous capables de faire un avec le monde. Avoir ma parler. Le chrétien est un peuple à part. Le chrétien est un peuple distingué. Un peuple choisi. Un peuple mis à part. Un peuple saint. En d'autres mots, consacré. L'Église n'est pas seulement venue le dimanche matin pour chanter, pour prier. Il faut discerner ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas l'organisation que vous pouvez voir. Vous admirez les chants, les cantiques. Mais l'Église, ce corps mystique, ça nous pas ouéa. Qu'a formé dans nous. Amen, 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 amen. Pendant sur la terre, où on corps, corps ça prend la poussière, mais avant la poussière, où on l'autre. Quoi qu'a formé un don pour le corps à tomber, le corps a sorti. C'est ce corps mystique. Et regardez, aujourd'hui, t'es beau, aujourd'hui, t'es joli, à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans. Regardez, oh, c'est ton père. Et tout le monde content, ouais. Regardez, on a glace, on chante, on content. Mais là, il vient à 45, 50, 55 ans, où on va être corridor fait dans la figure. Qui l'a fouillé corridor, c'est un pasteur, nous ne connaissons pas. Où est-ce que nous avons un corridor, un corridor, mais qui l'a fouillé, nous ne connaissons pas. La conséquence du péché. Ça, c'est une loi. De la nature. Loi d'usure, usée. Au fait, regardez un bébé, c'est joli. Regardez-le, c'est merveilleux. Vous avez dit bébé ça, puis vous avez le cap marché courbé, cocobé. Bon Dieu, parce que l'homme pour ça. C'est conséquence des obéissances. La mort ne faisait pas partie du concept divin. Ou pas fait pour mourir. Il y a des gens qui mal pris autant de ça. Ou pas fait pour mourir. Ça fait nous joindre dans le livre de la Genèse, quel chapitre 10, 10e. Il est question de Métichéla. Il a vécu pour plus de 965 ans. Métichéla. 900, presque 1000 ans. Ça, c'est le Seigneur qui ouvrait nos petites parenthèses pour nous montrer six bagailles. Ça, l'homme n'en est. Ou pas fait pour le péché. Ce que nous voyons, ce que nous pouvons constater maintenant dans le monde entier, ça fait horreur. Pourquoi ça, l'homme qui a fait l'homme?
moun kap rache moun, moun kap détrui moun, kap mitraye moun, moun kap enterre moun. Par quantité, ils font gros trous. Puis vous pouvez quelques cadavres, des centaines de cadavres dans un seul trou, mettez tête sur lui. Est-ce qu'on peut imaginer l'homme qui a fait ça? Non. Il est inspiré de ça. Le diable qui va le poison, ou prend le poison, ça va être la haine. Qui a dévoré la société, qui a dévoré le monde, qui a dévoré les familles. Quand deux mondes mariés, ils viennent l'un tout et l'autre. Oui. Deux mondes qui viennent devant l'hôtel là, oui. Deux mondes qui viennent prendre engagement devant Dieu pour vivre, oui. L'un avec l'autre. Et puis, quand jour, une lève fille a dit, m'a tiré par elle, tiré lui. Marie a dit, m'a tiré par elle, prends un coup d'autre. Oui, madame. Quand est-ce que vous pas fait pour ça. Son poison tombe dans vous. Donc voilà pourquoi leur livre, chapitre là, il faut comprendre. Satan semblait triompher, semblait. Et pourtant non. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Ça qui est pour le fini. N'a marché vers ce fin, cette fin. On a fait mal à triompher qu'on y a dans le monde. Mon gars fait mal à triompher, méchant à triompher, il est content. Le Seigneur bat le fil, mais il est annoncé faire. Donc voilà pourquoi nous gagnons ce matin ce texte dans Isaïe chapitre 14. D'où le Seigneur s'adresse à Satan lui-même. Mais Satan est esprit. Esprit. Ou pas où elle va agir? Pas bon. C'est ce petit bon Dieu seulement pour comprendre l'œuvre du diable dans le monde. Une société qui finit. Pas qu'il y a un remède pour lui encore. Il est trop bas. Il est trop bas. Ça, l'homme qui a fait à coller. Pas qu'il y a un monde encore. Pas qu'il y a un dignité encore. Pas qu'il y a un prestige encore. Pas que ça, pas que plus deux encore, ça n'existe pas. Au bout d'un moment, on a besoin d'une cité, ils font gros crimes. Pour le cas sur le journal. Son plaisir pour le Dieu, monde. Son plaisir pour le poison des mondes. Son plaisir pour mettre du feu sur le monde. Son plaisir, maman fait, il dit là, Dieu, il dit là. Tout plaisir, papa, c'est mal fait dans un gant, il veut dire là, il dit là, démon. On connaît les Haïtiens. Avant qu'Haïtien m'appelle. On a fait la conséquence au démon. Il y a depuis dans l'histoire de l'Ancien Testament, si on avait défendu à son peuple, de ne fait pas faire partie de ce peuple. C'est l'une des grandes causes, si on devait dire à Israël de ne pas retourner en Égypte, de ne pas retourner par ce chemin. Le chemin de la perdition. Bastion de la magie. Bastion de la sorcellerie. Israël m'a voulu tourner là encore. Et la catastrophe, après la, le mariage de Salomon, Salomon choisit pour la grande femme d'Égypte pour le marier. Pourquoi nous avons dit, oui, il y a quelqu'un qui connaît. Apparemment, le plus grand roi. Mais l'élévant dignité, il choisit une femme d'Égypte. La fille de Pharaon. Elle dit, on loue Gaoul maintenant à Jérusalem. C'est un malheur à monde qui est dans l'église, qui a pris le monde pour le marier. Malheur! Et vous voulez quoi? Si parce que je les connais, ou même l'église, là, elle est inconvertie, tu peux être marié pour ne pas faire rien. Parce que le pasteur est un papa. Avant, m'appeler. Parce que je laisse des amis dire.
un membre l'église là qu'elle remet avec le monde parce que c'est et comme ça la vie qu'on y a choisi mon dans le monde pour nous marier si mon a grandi comme grandi à l'éducation et puis vous prenez ou des monde l'église va le marier avec elle pasteur pas de faire mariage ça. Et plus tard, les gens sont tous bêtes. Les couchons sont son gros serpent. Au bras du pasteur, viens prier pour moi. Qui l'a pris le pasteur? Il est marié déjà. Il est marié déjà. Il va demander pour qu'il est marié. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que le contrat a été signé là devant le Saint-Esprit. À force m'a parlé. C'est pour être à couleur, vous? Dégage, c'est bon, fais ça, puis vite avec lui, mais l'église va garder fête lui encore. Alors, pour mieux comprendre la pensée du Saint-Esprit de ce passage, nous reviendrons ici. Consultez Daniel. Chapitre 3. Daniel. Il est question du roi Nebuchadnezzar. Il avait fait élever, ériger une grande statue. Il commanda à toutes les nations, à tous les peuples d'adorer cette statue. C'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le monde. C'est ce qu'on entend par le monde. Quand on dit le monde, ce n'est pas la création, ce n'est pas l'homme. Le monde de l'iniquité. Le monde de l'iniquité. Quand on voit qu'on vit dans le monde d'iniquité, on a vu là. Il a donné une chute là. Dans le Babylone, l'iniquité, on est là. Quand on fait tout le bagaille, la démocratie, son pays. C'est bon bien-être lié. À certains égards, il montre bien, mais il montre que l'homme qui avait stable à col, ça c'est la démocratie. Deux femmes mariées, c'est la démocratie. Deux garçons mariés, c'est la démocratie. Quand on parle, c'est vrai, ça continue quand on parle. Est-ce que deux garçons qui avaient petite? C'est une confusion, c'est une folie. Et je ne sais pas quoi, lorsque Périclès, le grec, l'un pensait démocratie, qui était commencé à semer en grec, je ne sais pas quoi, je pense que c'est là l'humanité de la privée. Démocrate, je dis que n'importe qui bagaille. Hommes sont démocrates. Des femmes mariées, ils ont croqué dans la rue, oh, des démocrates. Des gars sont mariés, en français, ça compte qu'on y a, et des démocrates. Tout pays qui prospère, il y a eu la prospérité, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tout côté, même en Suisse, qu'on y a, commencé à parler de ça. Depuis que l'argent, on compte, c'est pourriture. Et ça fait l'église en tant que pourriture, pour dégager au grand droite. Avant, on m'a parlé. Il m'a dit tout le monde pour adorer cette statue. Mais malheureusement pour lui, il y avait des hommes de Dieu. La Bible nous parle de trois jeunes Hébreux qui ont été levés, mais Dieu. À l'honneur, mais qu'on pire chitan. Ça fait même chrétien, même le côté bon, mon job, mon côté bon job, mais va rentrer dans le job là, un piège. Pour vendre non. Vous connaissez ma vie. Côté bon job là, va rentrer dans le job là, là, gon route de perdition là-dedans. Faut veiller. Je le viens en dignité. Mettez-vous comme des grands chefs dans les provinces de la grande Babylone. Et puis le roi vient de tomber. Le roi a demandé pour tout le monde à adorer cette statue.
Et il y a trois hommes qui s'opposent. Il dit non. Là, c'est la position du chrétien dans le monde. Il faut apprendre à dire non. Quel soit le prix à payer, il y a des côtés pour dire non. Il n'y a pas fin de fête, n'importe qui bagaille. Et puis il dit, là on vient de l'église. Oh, il y a un 17 que vous à l'éternel, je vais des bagailles, je délivre. Il peut dire ça, oui. Et puis voilà tout, voilà tout. Retendez. Vous avez tout le monde dans le statut. Et vous avez au pouvoir, bon job. Vous avez un bon job ici. Vous avez bien touché. Et puis vous venez avec un piège en dedans. Et si vous regardez bien, il dit, Nebuchadnezzar, non, Genèse 3, verset 14. Ouvrez nos Bibles, ouvrez nos Bibles, ouvrez nos Bibles. Il faut lire. Parfois, tu dois qu'il vous parle, mais c'est la Bible. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, elle de propos délibéré, Skadrak, Meshak, Abednego. Que vous ne savez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Mes dieux, c'est le langage polythéisme. Monsieur, va te lever dans la culture ça. Il va te lever dans la culture ça. Il va qu'on bagaille comme ça. Adorer statue. Non. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son, la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez, vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne le adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivre de ma main? Un défi lancé à Dieu. Quel est le Dieu qui vous délivre de ma main? Si vous ne faites pas ça, ma voix est bon Dieu comme vous délivre là. Quelle pertinence! Quelle solennité! Quel est le Dieu qui vous délivre de ma main? Alors c'est Pierre-Jacques Tangosa, oui. Skadak Meshak Abednego répliqua au roi de Mekadeza, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivre de ta main, ô roi. Sinon, alors c'est conviction chrétienne là qu'a parlé là. On va dire protestant, non? On va dire membre clairon. On dit chrétien, conviction. Tendez bien ça le dos là. Sinon, sache au roi que nous ne servions pas fait Dieu. Et que nous n'avons pas la statue que Dieu a. Même si bon Dieu va délivrer nous, même va faire ça. Vous commencez à venir? Ou va faire commerce avec bon Dieu? Quand nous parlons de protestants, les problèmes, ils disent bon Dieu, si vous délivrez, je vais faire ça. Et ça que toute l'église entre dans le commerce, qu'on est à deux mondes. L'église haïtienne en Haïti, Florida, New York, entre dans le commerce. Tout le côté, venez m'aguerrir pour que vous bon vous et là, comment ça se dit, oui. Et puis le diable entre la donne. Parce que Jésus lui-même, dans le sermon sur la montagne, ça le dit. Ou même qui t'a fait guérison. Ou même qui t'a voyagé. Ou même qui t'a fait mission. Ou même qui t'a prêché. Qui avait tout le bagaille. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Pas des saints qui ont fait guérison vraiment, et puis ce sont des démons qui ont fait guérison. Aïe, tu as entendu ça, ma petite.
Moune qui a venu faire guérison vraiment, son façade diabolique. Eh bien, haïtien qui vient dans vouloir quitter quoi dans ça, qui quoi dans ça, tout haïtien, avant de rien pour de l'argent, ben on comprend ça, yo. Avec, on m'a parlé. Yo couvre Haïti, qu'on y a là. On grand fait un peu récit pour le monde de l'église. Parce qu'il y a faim. Parce qu'il y a une guérison, tout haïtien chuté. Mais c'est pas ici, nous va chuter. Amen. Il va devenir guérison, nous chuter. Nous ne pouvons pas ici. Il va vous ranger la vie. Voilà pourquoi monsieur dit wa, oh wa, même si bon Dieu va délivrer nous pardonnons. Parce qu'on connaît la loi déjà. On connaît la loi déjà. Parce que Jésus dit Satan se déguise en œil de lui. Ça, ouais, mon affaire dans l'église, bah, qui bon, bah, qui belle, yo, ça t'a pas fait façade là tout. T'aimes tout ça pour capable comprendre. L'elle était l'elle de voir Moïse en Égypte, l'elle rivée. Bâton, non maintenant. Il était là, guette, on ne sait pas. Bon, tu peux en faire le bâton encore, etc. Bon, il m'a baoul. À ces signes, il va qu'on aime te voir. Mais les Moïse, il fait ça, ça fait un défait. Relé un grand mieux pour moi. Relé sorcier mieux pour moi. Mon café tout. Et puis là, il va tout à tout. Ils ont essayé pas tout que vous pas, Moïse là. Et c'est ce qui passe en Haïti là. Ils ont essayé pas même chant tout. Ils ont campé dans les bancs. Mais bon Dieu, bah, on leçon pour apprendre, il fallait. Un bouddhi. Et ça peut le passer à la fin des temps. Mais qu'on est à Satan, semble qu'il y a un terrain. L'église a descendu. Parce que trop protestants a couru des miracles. À force m'a parlé. Eh bien, c'est ça, nous, oui. Sinon, sachons que nous ne serons pas de Dieu. Ça veut dire. Le roi est inspiré du diable. C'est ça qui m'a fait nous comprendre maintenant. Sorline, non, Daniel là, s'explique dans le livre du prophète Isaïe. Tu m'as expliqué, Le roi m'a campé, la font pas qu'un crime, la font pas qu'un mauvais bagaille, bagaille sale. C'est le diable qui a dans lui. C'est le diable qui a parlé dans la bouche de mes quatre âmes. Bon, j'ai pris là avec lui, j'ai pris là avec des mondes. Parce qu'on ne peut pas lire tous les deux, on ne comprend pas. On sort de métaphore. Bon, j'ai employé la personne. Satan employé la personne de mes quatre âmes. Quand on a parlé le monde qu'on y a là, il est habité sur le monde. Le diable et le démon habitent dans cette ville-là où vous vivez. Il y a la caille, il y a tout le côté. Il prend possession de votre être. Et puis les gars là, ils sont capables d'agir. Et puis ce sont des démons d'ailleurs qui sont insufflés. Capable de faire ça, faire ça. Et pour ça, nous bon. Et puis société à cap fini. Société à cap fini. Qui veut au mariage, pas quelqu'un bon encore. Bah, qui est belle, qui veut bon Dieu faire, oui. Mariage entre l'homme et la femme, ou elle pas quelqu'un bien encore. Mon marié samedi, lundi, mariage la croisée. Parce que démons en même temps. De on a mis temps. Et puis la loi fond va pour tout. Et nous va la bon. Il va pas dire ici, je vais dépenser encore. Viens jouer nous, n'a pas fait le bout. Parce qu'on songe longtemps, on a eu l'impérieur de montrer ici aux États-Unis, pour nous divorcer ici, c'est l'autre pays pour aller. Oui ou non? Bon, on y a, regardez, on a 100 dollars de divorce. Dans tout le poteau, viens jouer un avocat et on a divorcé. C'est le règne du diable. Eh bien, ce que vous voyez dans Daniel, bon Dieu va prendre défi dans mes lobes. Va prendre défi.
comme Nebuchadnezzar te dit, monsieur, quel est le Dieu qui vous délivre de ma main? Mais quelle main? Qui met un rien? Un homme, un mortel qui a parlé. Quel est le Dieu qui vous délivre de ma main? Qui met? C'est-à-dire pouvoir. La main symbolise le pouvoir dans la Bible. Lève ta main. C'est ce que dit à Moïse. Lève ta main, voilà. Alors, qui pouvoir rien dans la main pour dire quel est le Dieu qui me délivre, qui vous délivre de ma main? Est-ce que bon Dieu a peur? Défi dans le monde. Non, mais Satan, le diable, n'a pas de défi. Moi, j'ai prévu le défi. Il a pris de l'accepter. Pingo pense, c'est parole vaine, Gabdou, là, parole. Écoutez bien, écoutez bien. C'est la parole de Dieu, la parole éternelle, la parole vivante. Réalité, ça, on va le vivre. Bon Dieu, dis-le déjà. Fais Satan à priver là. Et bien, là, on lit dans le prophète Esaïe 14. Et donc, prophétie contre le roi de Babylone. C'est son roi, Babylone. Mais là, on lit derrière. Là, on lit plus tard. Ou après, un esprit qui t'avait soufflé. Qui a demandé pour le faire ça. Même Jean le tape torturé chrétien. L'Église catholique tape massacré chrétien. Mais ça que t'es des papes là. Les papes là t'as demandé pour bouler le monde, couper tête monde. Ça que t'es demandé pour faire ça. Si vous descendez en France, vous allez dans le sud de la France, vous allez dans la montagne, et puis il y a pour nous côté décapité 400. Reste albigeois que tu es. Tu n'es pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi. Mais à l'assassiner, il coupe la tête. Tu as mis le roche là. Tu as pris tous les cartes qui te cachent dans le gros hôtel, dans le maison. Et puis tu descends avec toi. Tu coupes la tête tous les quatre. Tous les 400. Mais le roche arrête là. Comme témoignage. Quand tu as des massacres qu'ils ont fait dans le monde. Isabelle la catholique, elle a massacré les juifs, elle a maltraité les juifs, et ça s'appelle Isabelle la catholique. Espagnol. Pourquoi elle a maltraité, pour elle chasser les juifs d'Europe, elle a gagné dans le monde. Mais États-Unis, bon Dieu, qu'on qui plante rien ici, il peut le faire. Grand Jean Cabane pour elle, elle a tendu à venir ici. Et ça que tout le pays, elle va aller dans Ocean Park, oui. Etc. L'homme de Gédé Kodo, c'est juif net qui était là. Bon Dieu, je ne sais pas si mais ça, c'est des papes qui font la vie, tuer tout le monde. Vous ne pouvez pas d'accord avec nous, de vous prendre la Bible, ou accepter sa Bible, dit, tuer. C'est ça l'Église dit pour faire, et pas sa Bible a dit. Et bien, nous, le pape est infaillible. Bon, vous avez menti à Baou? Écoutez, écoutez, écoutez. 14e siècle, attendez. Vatican est divisé déjà. T'es gagné un roi. T'es gagné un pape. Un avion en France. T'es gagné un Vatican. T'es gagné là toujours en Italie. Ça fait trois papes en seul coup. Et bien, elle dit pape infaillible. C'est diabolique. Qui est l'homme qui est infaillible là? Alors, philosophie dans la terre qui est infaillible là? Eh, mais après, les conséquences qu'on y a, c'est sans remède. Et bien, quand il y a l'église qui a le café pour remédier ce qui est passé là. Parce que le frère doit être dans la Bible là, ils ont retiré la vérité, ils ont menti, bon Dieu a pris la Dieu. Prophétie contre le roi de Babylone. Le roi de Babylone, non. Ou un homme, ou une ville, mais son état spirituel, son condition lié. Mon capable agir contre Dieu. Mon capable qui contient à la vérité. L'Église qui entend avec le monde profond seul et Babylone y tourne. Babylone spirituel. Quoi de monde fait n'importe ça ouvrez. Mon habillé, je ouvrez. Mon dit ça ouvrez.
gen l'église pa prêche péché kounye a, mais ou la, haïtienne. Il va prêcher péché encore. C'est prospérité. En pile l'argent. Avion passé à gagner. Vini chercher là. Mettez quatre cols pour lui laver là. Les sorti là, le mot d'avion. Et puis, lui voler. Et ça qui passe en Haïti, tout l'état où je vais l'entrer dans ma gueule là. Parce qu'il veut une question d'affaires, une question d'argent. Mais il faut ça finir. Eh bien, Isaac 14, là. Libanon, quelles informations. Il prophétisait parce que le peuple d'Israël allait passer environ 70 ans à Babylone avant de gagner un contingent de retourner. À cause du péché, il était tombé dans la captivité. Mais bon Dieu fait promesse, m'a retiré nous. Les m'a retiré nous, mais cantique nous va chanter. Cantique du serviteur de Dieu. Ça veut dire que l'heure arrivée là, au verset 3, quand l'Éternel t'aura donné du repos, Isaïe 14. Après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude, qui te fait imposer, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras et que le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Tout le monde qui a fait mal là, son message prophétique lié à court, à moyen, à long terme. Il te fait déjà. La fête jeudi, il va le faire encore. C'est pour vous. Son message à court, à moyen et à long terme. Il était fait déjà. La fête encore à Babylone. Tu as répondu, fait Babylone tourner. Oui, il dit le pape, je m'habite. Si vous prenez l'avion là, allez, n'a pas joué, il y a mon sac Babylone. Non. Bon Dieu, te dit, m'a fait le bac encore. Pour lui, il est comme oui. Et c'est là que tu as gagné l'ordre, tu as richesse, tu as gagné gloire. C'est là où tu as dominé. Quand le Tout-Puissant, il est comme Dieu lui-même. Ne vous attendez ça, l'Éternel, vous vous prenez comme un Dieu. Vous faites tête au Dieu. De vous ne pas croire ça, mon Dieu dit, pas attendre ça, mon Dieu dit, il fait tête au Dieu. Et bien, il tombe sous jugement. Ça fait orgueil dans l'Église. C'est pour nous, faites attention. L'orgueil dans l'église, l'orgueil dans le monde. Et le Seigneur, ben nous, il y a une leçon pour nous apprendre à descendre, pour nous apprendre à baisser. Et quelque part, quand Paul dit que pour nous regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quel message? Regarder les autres comme étant haïtiens. Oui! Bon, Haïtien, depuis qu'il y a deux gouttes en plus au monde, vous avez ces chiens, oui. Bon, moi, en Haïti, là, je vous ai dit, oui. Alors, il y a plein de monde responsable. Moi-même, je suis en Haïti, je suis gardé, moi, oui. Je suis passé quatre feuilles. On est cap monté, cap descendre dans la voiture. Tout le fil est monté. Machine officielle. Et puis, si ma chaîne, quand je suis battu, si je l'âme véritable à terre, et puis, il passe sous eux. Il crase. Mais l'état d'une nation, l'état d'un peuple, et bien c'est étranger qui prend bien. C'est étranger qui fait nos gens nous hier. Ils font commencer à descendre, ils ne sont pas convertis. Ils sont machines, tout de suite ils montent, ils passent sous patate, ils passent sous l'âme véritable à terre, ils passent sous bonhomme, ils font à terre, ils vont garder. Donc, pauvre, c'est chien. Mais bon, j'ai réglé avec Haïti. En pile haïtien, pasteur Vlal, en pile pasteur Vlal, président, allez. Démonstration 73, m'a dit nous non. Vous allez mourir, il y a tout. Je dis, t'es pas bien. Je dis, t'es pas bien. Eh bien, t'es pas bien.
Bon Dieu voyait jugement sur nous. Il voyait duvalier sur nous. Aïe, c'est pas prendre rien. Il vient plus mal qu'avant duvalier. Et monde qui connaît l'histoire d'Haïti un petit peu, avant Vilbert Guillaume, avant États-Unis allaient occuper Haïti, sous Guillaume, Haïti connaît plus mal qu'avant l'occupation. Il va rien en Italie à connaître. Bon Dieu, gombo pour chaque bagaille. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et le bon sang, roi les chants. C'est cantique là. Pour la chanter. La passer Satan en tête. Pour tout ça offert. Et puis, sort. Sentence finale. Arriver. Et avant de terminer pour nous-mêmes, Napondo, dans ce chapitre, côté n'a parlé de cinq bons de Satan, ou cinq sauts. Je connais les mondes enflés. Et comme ça, Satan, il y a. Vous dans l'église, vous voulez imiter au monde, vous voulez qu'on soit. Son folie, il y a. L'orgueil est une folie. Restez dans le route, restez dans mes yeux, restez dans la hauteur, restez dans la place, restez dans la position. C'est là où béni, la tissa où on va faire. Pas chercher imiter le monde, pas chercher bousculer le monde, et bien mon croque. Qui fait que bénédiction pour nous ne nous pas joindre parce que nous trop divisés. Même s'il pas paraît, mais dans le cœur, on compte, on ou compte, on compte, on retenez notre position, retenez notre tissu à faire. C'est là dont nous avons béni. Ésaïe 14. Retourne la donne pour nous capables de voir exactement l'idée. Écoutez Ésaïe 14, verset 12. De voilà tomber du ciel, Asbriant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Satan l'a parlé là. Il n'est pas question du roi de Babylone. Le roi de Babylone fait action, mais l'esprit de elle, l'esprit pour celle fait sa affaire. Qui veut le commander grand, il ne va attendre personne, qui veut la proposer à Dieu. Oh, quel est ce Dieu qui te délivre de ma main? Il va l'engager humain, l'engager diabolique. Il va qui est dans le bouchon. C'est Satan qui parle dans le bouchon, il comprend Dieu. Là, nous parlons, il faut nous tendre, ça l'a dit. Parce que l'orgueil est sur la folie. Et sur les grandeurs. Qui vont encore plus par son autre monde. Soyez. Pourriture. Dans des aldos. T'as dit très bien. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Asbriant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Il y a cinq jeux. Ça, c'est le premier. Je monterai au ciel. Et prends Bibou, regardez bien. Verset 13b. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 1, 2. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Ma mon de bureau qui est tout en jeu. Parce que qui nous pas connaît. Dans la hiérarchie céleste, il y a des choses que mon Dieu n'a pas révélées. Je vais expliquer ça. Dans toi espèce, il y a les anges. C'est esprit, oui.
Deuxièmement, les hommes, ils ont esprit et chair. Troisièmement, les animaux. Bon, je m'explique encore. Ou qui est premier, quand c'est laisse là, sa Bible a parlé nous, ça nous a comprendre, ça nous a révélé les esprits, bon et mauvais. Son catégorie que bon Dieu fait à part, c'est esprit, oui. Satan sorti du nombre de ses esprits. Ils descendent sur la terre, car c'est deuxième nom, c'est l'homme qui commence esprit et chair. Vous avez des limitations que vous ne pas connaître parce que vous limitez dans la chair. Dans le corps, dans la pensée, dans le sentiment, vous limitez. Et le roi David nous dit bien dans Psaume 109. Limitation humaine, non? Mais c'est Dieu qui omniscient connaît tout le bagage. Bon, il y a qui n'a pas même connaît même. Il y a qui va le faire, ou pas va jamais faire, et bon Dieu, il va le faire plus tard. Il y a une tendance cachée qu'on gagne ou pas connaît. Troisième espèce, c'est animal, bête. Il n'y a pas un homme lui-même, c'est bête lié, il va mourir fini. Ça, c'est ça, nous qui connaît. Mais précieuse, mon Dieu, il y a l'autre dimension que nous ne pouvons jamais connaître, c'est l'arrivée de l'éternité. Et ça, Paul dit, je connais en partie, nous connaissons en partie. Donc, dans la Bible, là, la théologie ne va pas expliquer, le monde ne va pas expliquer aux alliés. Et mon Dieu, c'est le qu'on nous allié. N'a fouillé, n'a parlé, n'a fait théorie, bagaille, n'a fait théologie, bagaille, mais on ne connaît pas. Il y a un peu de monde qui dit, je ne connais pas. On ne connaît pas. Mais il mentit pour ça. Ou il dit, je ne connais pas. Bon, comment ça coûte au bout du ne connais? T'es un monsieur qui est... Comment ça s'appelle? Il est avec Doctrine, qui a répondu à toutes les questions. Comment ça s'appelle? Gabin, les comptes tout le bagaille. Mais t'es pas bien. Comment nous avons on a toute question. On pas connaît. Mais les connaît tellement connaît qu'on a li ba date Jésus a venu. On première fois, on deuxième fois, il va dire la carte. Bon Jésus dit on pas connaît, il va dire où, il pas connaît. Ok, il dit, on ne connaît pas. Ça, c'est papa. Bon, on va dire, au même, oh, Jésus a venu telle date, d'après calcul, on fait telle date. Adventiste dit ça, oui. Après, il dit, qu'on fait mathématiques. Oh, Jésus a venu. Il y a que madame, ouais, il était monté sur montagne, non, habillé tout de blanc. On va quelque monde. Oh, Jésus a venu. En 19e siècle, là. Bon, ok. Quand Jésus est venu, Jésus a venu, pas de personne. Je me dis, comme info. Sans offrir encore. Comment vous voulez? Et son chambre qu'on lève à la casse. Et tout le monde dégage au métro toujours prêt. Eh bien, madame White est pas tout. En doctrine adventiste là, pour les gens venir tel l'air, sous montagne, tout le monde habillé tout de blanc, Alton Jésus. Et la campagne de fait tout. Mon paquet de monde qui devait ça, ça était là tout depuis le deuxième siècle. Il était là tout. En débris, il était là tout. Tout, pas qu'on est. Qui est un bon Dieu réservé que le parti l'homme. Qui est l'homme pas qu'on est. Et au pas qu'on est, sous qu'on est, qu'on est, il y a un mal à vous. Parce que dans la vie, attendez, pas persévérer vers ce qui n'est pas connaissable. Ce qui n'est pas connaissable, ou à l'aider, ou à périr. Et ça fait, en plus, le monde a fait magie. Après, on a une formation pour la connaître secret. What secret? On va être pauvre. On va être misérable. Ou même quand on fait la forme à parler. Il y a tout le côté dans l'église, il y a tout le côté dans tout le coin. Il va jamais repentir, il va jamais revenir, il va jamais dire moi-même. Dans la religion secrète, la religion fait noir, quand les gens ne peuvent pas entrer, moi-même, je vais entrer, mais ça me déconne. C'est pour venir comme ça. Amen. Au
Oh, si m'a pas secret, m'a mouri. Oh, yé, et m'a dit. Amen. Amen. Oh, mais des filles là, Dani. Parce que les filles parlent trop. Il y a 20 secrets, nous. M'a dit. Puis quoi, c'est que tu as Jésus mouri sur là. Jésus révélé, bon Dieu, révélé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son visu. Fini, mais puis quoi, c'est que tu as gagné. De vous croire dans ça, vous croire dans Jésus, fini. Ça dépasse toute magie, mon café. Ou même qui magie, c'est le gars où ça, c'est capable de me la voir, ma panie. Debout toi, je. Quatrième, non. Je monterai sur le sommet des nuits. C'est Satan qui a parlé. C'est Satan. C'est penser Satan, bon Dieu, à dévoiler, mettre la boue, oui. Mais ça, Satan, parce qu'il est dans le calé. Mais ça m'a fait. Enfin, j'ai. Quand comment il est dans l'église. Sois tranquille, ma soeur. Tranquille, mon frère. Cinquième, non. Il dit, je suis semblable au très haut. Même bien, oui. Ouais, c'est pas quoi, le magasin l'a parlé. Ça a esprit l'a parlé. Bon Dieu qui révélait le secret que Satan va où. Ça, c'est ce qui aime jouer. Je serai semblable au Dieu. Je viens même Jacques Bon Dieu. Bon, qu'on y a, le gars de royaume, non, le gars de gloire, lui. Oui, hey, hey, c'est même Javel, moi. Et Zach Baye, dans l'église, en pile monde. Au lieu de faire ça, mon Dieu va le faire. L'a regardé en l'autre et dit c'est job l'autre l'a me fait. Mais est-ce que tête ou bien? Tête ou bien, madame? Bon Dieu, bon petit job, l'incroyant, et là, l'ou balé, balé. Il doit changer frère, changer frère. C'est ça, mon Dieu, on fait. Il doit veiller après service là. Si pas quelqu'un qui quitte quelques petits papiers sous banc, ramasser tout plein pour vous parler là. C'est ça, mon Dieu, on fait. Il nous l'a prié pour passer. C'est ça le bon fait, la prière pour passer. Non, non, mais regarde, il n'y a pas de poisson qui me dit, mon Dieu. Je ne sais pas, moi. C'est ça que je mets dans notre tête, oui. Et bien, tant de fin. Ce qu'il a dit, je suis semblable au très haut. Mais final, là, la réponse de Dieu, la réplique de Dieu, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. L'homme monte haut, mais résultat. Ma plongeur descend. Et l'homme dit l'Apocalypse, ouais, je viens ça. Jour après arriver, Satan le diable et tous les démons descendent en enfer. C'est ça le rideau là. Mais tout ça, pensez-vous à faire. Mais moi-même, mes amis, avez-vous. Donc, tout le monde là qui est orgueilleux, qui comprend pour le vin monter plus haut, vous devez aller dans tout. Amen. Sur les vives, vous êtes tranquille. Que bon Dieu bénisse nous.